Salut! En tant que projetteuse en technique du bâtiment, tu as vraiment le cerveau de la branche. Tu planifies toutes les installations de chauffage, ventilation et sanitaire, en accord avec le maître d'ouvrage et l'architecte. Tu travailles beaucoup sur ordinateur au bureau. Tu fais tous les calculs nécessaires et tu dessines les plans de montage. Donc il vaut mieux que tu sois doué en maths et en géométrie. En tant que projetteuse en technique du bâtiment, tu es très demandée. Il faut donc que tu aimes travailler avec les gens. Tu dois discuter de tous les détails avec le directeur des travaux et les monteurs. Et t'assurer que tout est bien installé. L'apprentissage dure 4 ans. Et tu peux aussi te former facilement. Par exemple, pour devenir projecteur sanitaire ou intégrer une école supérieure. Si tu fais ta maturité professionnelle, tu peux même étudier à la haute école spécialisée. Cela pourra te mener à diriger ton propre bureau de planification. Et alors c'est toi le chef. Ou la chef. Et il reste encore plein de places d'apprentissage. Le mieux, c'est de faire un stage dans un bureau de planification. Tu sauras vite si ça te plaît. Ciao! Ce serait sympa qu'on se retrouve sur un chantier.